Marier les études avec le sport de haut niveau, ça s'avère très compliqué si la formation n'est pas très adaptée. Mais dans mon cursus, j'ai eu la chance d'intégrer des formations qui justement étaient adaptées donc pour les sportifs de haut niveau, avec donc déjà à l'UPMF un DUT technique de commercialisation, et ensuite donc à Chambéry avec l'ESC une licence pro commercialisation de produits et services sportifs. Et ensuite donc j'ai intégré l'IAE donc en M1 marketing. Et là, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu un étalement en 2 ans, donc la moitié des matières la première année et ensuite le reste en 2e année. Et ça se marie plutôt bien. Après, ça demande une grande organisation et beaucoup d'envie et de garder une grande motivation pour justement allier les deux et rester concentré pour les deux projets. J'ai pas d'aménagement donc pour le master de ingénierie, j'ai décidé de le terminer en 1 an et de mettre un terme donc à ma carrière à la fin de cette année. Donc je continue de nager le plus possible, tout en répondant à mon objectif de haut niveau encore cette année pour les championnats de France. Mais l'objectif là, c'est vraiment de terminer le master cette année pour ensuite se tourner vers la vie active après. Je pense que le sport de haut niveau était vraiment un plus pour les études. Ça apporte une grande rigueur et beaucoup d'organisation. C'est pas évident à gérer, il faut vraiment garder une grande motivation pour réussir les deux et vraiment garder ses objectifs en tête. Ça permet d'être libéré au niveau des cours et ainsi les cours libèrent aussi pour le sport. On a une pression en moins, mine de rien, quand on arrive à réussir les deux. Ça apporte vraiment un plus même donc déjà dans la vie étudiante, dans la vie quotidienne et je pense pour la vie active plus tard avec tous les bienfaits du sport et des études qu'on a réussi à mener à bien. Je pense que c'est un plus dans le sens où on se donne les moyens à 100%. Si on se donne les moyens à 100%, c'est vraiment là qu'on peut se permettre de réussir. Et pour moi, ça a été un bon allié, enfin la natation, ça a été un bon allié pour réussir mes études et un bon défouloir pour vraiment rester concentré au niveau des études et essayer de les mener à bien jusqu'au bout. J'ai atteint un niveau que je pensais jamais atteindre en natation. J'ai progressé plus vite que ce que je pensais donc quand je me suis inscrit au centre d'entraînement universitaire. Et au niveau études aussi, ça m'a permis donc toujours d'aller plus loin et tout en continuant donc le sport au niveau. Et donc là, aujourd'hui, arriver en master tout en ayant participé à chaque fois, tous les ans au championnat de France, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et pour moi, c'est une fierté. Donc j'espère vraiment réussir cette année encore avec mon objectif de haut niveau pour être allé jusqu'au bout du parcours.